Alors, l'origine du projet Gombo, c'est né d'un constat finalement assez simple, celui de remarquer que malgré la présence de diasporas africaines importantes, voire très importantes hors du continent, les cuisines africaines demeurent finalement assez mal connues, voire pas connues du tout de la part du grand public. Alors, cet état de fait, il est d'autant plus intéressant, voire paradoxal même, que nous ne cessons aujourd'hui d'entendre des discours se félicitant de l'ouverture quasi totale des frontières, qu'elles soient culturelles ou alimentaires, ou qui vantent l'interconnexion de plus en plus profonde des territoires gastronomiques les uns par rapport aux autres. Alors malgré ces discours que personnellement je qualifierais de très positifs, force est malheureusement de constater que l'Afrique demeure encore une sorte de terra incognita entre guillemets pour nombre de mangeurs, mais aussi pour nombre de professionnels impliqués dans le secteur agroalimentaire. Enfin, il n'est que de voir, hein, y a encore beaucoup de travail pour que des plats comme le ndolé camerounais, le wat éthiopien, le saka saka d'Afrique centrale concurrencent, voire même peut-être à terme détrônent, des plats comme la pizza, le sushi et les autres burgers. Alors finalement, c'est dans ce contexte qu'est né le projet Gombos, et c'est aussi dans ce contexte que l'idée qui nous guide, et c'est justement de faire découvrir la richesse des cultures alimentaires africaines. Alors comment ? Alors en donnant la parole à celles et ceux qui, quotidiennement, qu'ils soient installés en Afrique ou ailleurs, participent à faire vivre ces cuisines, à les faire évoluer, mais aussi à les promouvoir à destination du grand public. Alors je pense bien sûr aux chefs qui captent une partie de la lumière médiatique, mais je pense aussi aux entrepreneurs, aux épiciers, aux universitaires, aux blogueurs, aux chercheurs, aux critiques gastronomiques, qui tous, à leur propre manière et à leur échelle, participent finalement à faire sortir les cuisines africaines du relatif anonymat dans lequel elles demeurent encore aujourd'hui. Pour moi, le projet Gombo, a pour objectif, en plus de traiter de la place des cuisines africaines actuellement de manière générale dans le monde, c'est aussi une mise en lumière en fait d'une catégorie de personnes qui pour moi sont très importantes, que sont les femmes. Si je pars de mon expérience personnelle, moi je suis française d'origine centrafricaine et j'ai grandi en France. Et l'un des seuls liens qui m'a permis, que ma mère a maintenu avec le continent, ça a été à travers l'art de la table en fait. C'est-à-dire que grâce à la cuisine, j'étais connectée au continent, au savoir-faire de ma mère. Quand je me suis lancée en cuisine, il y avait une question qui était là de manière permanente et qui continue à me poursuivre aujourd'hui, c'est mais comment ces femmes ont réussi à reproduire en fait une cuisine qu'elles ont appris elles-mêmes sur un autre territoire, sur un autre continent, dans une autre région. Elles ont réussi en fait à se réapproprier ces cuisines-là hors du continent, sur un autre territoire qui n'est pas en fait le territoire initial. Ça me permet de rebondir aussi sur celles qui sont restées sur le continent, qui en fait, de manière générale, participent à toutes les étapes, à tout le processus de création de l'aliment, c'est-à-dire que elle récolte, elle trie, elle pile, elle cuisine, elle transforme, elle retransforme derrière, elle conserve et ensuite elle le met à table. Et je pense que Gombo, avec Gombo, on va pouvoir leur rendre hommage. Voilà, que ce soit la vendeuse de gingembre qui vend son gingembre à la Villette l'été, hein, vous avez toujours une femme qui a son caddie et qui vous vend des jus de fruits qu'elle fait par elle-même, ou que ce soit la vendeuse de pain brochette à Abidjan.